Howdy, bonjour. I'm Tyler from Texas et je visite la France. Aujourd'hui, je suis au monde où les délégués de la MACI forcent les gens à pédaler jour et nuit pour un monde meilleur. What is that about? Mais regardez-moi tous ces cyclistes. Where are they going? MACI. Jean-Luc, hey, Tyler, enchanté. C'est quoi tout ce truc? Les 24 heures du Mans, c'est en effet une épreuve où les amoureux du cycliste viennent passer un bon moment, viennent regarder une course sur 24 heures et aussi peuvent participer pendant une heure. Ils ont la possibilité d'accéder une heure, okay, la possibilité d'aller sur le circuit. Amazing. Et pourquoi est-ce que la MACI est là? Alors, la MACI est là aujourd'hui parce que, premièrement, c'est un événement national qui nous aide à promouvoir le sport féminin. Et puis ensuite, sur le plan de la solidarité, on s'est associé avec une association, c'est les Pachas. C'est une association de parents qui se sont organisés pour accompagner les familles en difficulté avec les enfants handicapés. Oh, okay. Et chaque roulage permettra de collecter 1 € pour l'association. Moi, ce que je te propose, c'est que ce matin, tu puisses éventuellement prendre un petit déjeuner sur toi. Ah ben, absolument. Les rillettes. Les rillettes. Un petit sandwich rillette planté dans du chocolat ou du café. Really? Oh man, OK. It's quite good. Now we're talking. Quand tu étais petit, tu venais ici voir les courses? Tout à fait. Tout petit, je suis venu avec mes parents pour regarder les courses. No way. En spectateur. Et après, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans comme responsable sécurité sur le circuit. Ah, OK. Donc, tu faisais sécurité ici. Voilà. Et maintenant, tu fais sécurité pour la MACI ici aussi. C'est voilà. Super. Toi, tu seras là toute la nuit. Je vais en effet contribuer à être présent toute la nuit. Non. Vraiment, toi, tu vas être là toute la nuit? Bien sûr. Tu vas faire quoi? Tu vas donner des massages? Bah, je pense qu'on va faire des relais café ou je pense qu'on va les soutenir. Café rillette. Voilà, café rillette. Café rillette. Attention de ne pas te faire renverser. Waouh, c'est énorme. C'est super. Waouh. J'ai toujours entendu que dans les stands de Massif, ils font signer les contrats et que c'est pour ça que vous êtes ici. La Massif aujourd'hui, elle est présente sans contrat. Rien du tout. Je ne peux même pas trouver un contrat derrière le bureau. Même pas. Wow. Même pas. On n'est que là pour la prévention. OK. Ah oui, les trottinettes. Voilà. Oui, oui. Bonjour. Tyler, take the hat off. OK, Wes. Wow, wow, wow. Voilà. C'est bien pour jouer l'arrière. Wow. J'ai cassé votre machin. Wow. Never again. Je suis plus à l'aise sur mon cheval. Donc là, on se retrouve sur la place avec la végétalisation qui a été installée par le service Nature en Ville, avec toute une végétation qui a été installée pour favoriser la biodiversité sur la place. On est en train de discuter avec la ville du Mans, la Massif, pour travailler à créer une mini-forêt pour justement contribuer à cette prise en compte des questions climatiques. Very cool. Alors la Massif va se faire son propre petit micro-forêt ici peut-être. Tu as fait toute ta scolarité ici dans la région? Alors, en sortant du collège, je me suis retrouvé sans lycée. Uh-huh. Et avec des copains alors de différentes opinions, nous avons décidé de créer un collectif des sans-bahuts. Des sans-bahuts? Des sans-bahuts, c'est un quoi, peu, ça? Sans lycée. En 86, il manquait de place. Ah. Et donc, il a fallu qu'on attende que des sections s'ouvrent pour nous accueillir. Wow. Il a fallu se battre aussi pour le faire. Donc, et c'est là que j'ai compris que tous ensemble, on pouvait faire bouger les choses. OK, so c'est ton engagement a commencé très tôt. Ah, mon engagement, il a commencé en effet dès l'âge de 15 ans, à la sortie du collège. Moi, je peux te dire qu'à 15 ans, je ne me serais pas battu pour aller faire plus d'école. Personnellement, ça te rapporte quoi de faire ce genre de truc? J'ai un objectif général, hein, c'est le changement de société. Vraiment voilà. Une vision de la société. Donc voilà, c'est pour moi un outil qui me permet de faire bouger les choses. Peut-être pas aussi vite que je le souhaiterais, mais au moins, on commence par un bout et on accompagne les plus démunis, les gens les plus en difficulté, avec la création de richesses que nous produisons tous les jours. C'est beau. Bah, c'est mieux que de verser ça aux actionnaires.
right, merci. Alors, je suis ici avec Séverine. Vous faites la première course aujourd'hui ou ça fait des années que vous faites ça? Deuxième fois. Et ouais. La première fois, ça s'est assez bien passé. Oui, tout à fait. Okay. Voilà, on a gagné par équipe de 6. C'est vrai? Oui, tout à fait. Wow. Ouais. Et alors là, vous partez à quelle heure? J'espère que c'est pas dans la pluie comme ça. Peu importe, on ira. Si c'était facile, tout le monde ne ferait. Ouais, c'est peut-être vrai. Je suis avec vous de tout cœur. Et merci, Jean-Luc Séverine. Aussi, je sais qu'il va rester debout toute la nuit. Voilà. Merci Jean-Luc, merci des encouragements. On a besoin d'eux aussi. Hein. Ouais, clairement. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout le temps merci que tu Taylor. As dévoué à nous. Très heureux d'avoir contribué à ce que tu puisses découvrir ma région. En effet, une épreuve comme celle-ci, avec tout ce que ça comporte, l'esprit sportif, l'esprit solidaire. Ouais. Et moi, je suis très content de t'avoir reçu au Mans. C'était vraiment, vraiment impressionnant. Merci. Vous l'avez vu, les amis, ces zinzins de la Massif passent 24 heures à vélo sous la pluie. Mais je les aime bien quand même. Ils ont un certain je ne sais quoi. I want to go meet more of them. Yeehaw!